Bonjour, je suis Alexandre Pequeno Nogueira. Je suis né au Brésil. Je suis champion de MMA et 7 fois champion du monde de Vale Tudo au Japon. Alexandre Franca Nogueira, plus connu comme Pequeno dans le circuit du MMA, est champion invaincu de Shooto et le seul lutteur de l'histoire du Vale Tudo avoir défendu 6 fois de suite le titre en poids léger. On l'appelle au Japon le roi du Shooto. Un parcours unique dans le MMA mondial avec 12 victoires, dont 9 par soumission, 2 défaites et 2 ex aequo. Doté d'un talent naturel pour la lutte et possédant une technique épurée, Pequeno a voulu partager avec vous, dans ce DVD, une partie de son arsenal, accordant une attention toute particulière à sa redoutable guillotine, avec laquelle il soumit beaucoup de ses adversaires. Dans ce travail, je serai aidé par mon élève Julio Girino. Il est champion d'Espagne, champion d'Europe et champion du Brésil. J'ai donc un bon élève. Bonjour, je m'appelle Julio César. J'ai participé et gagné 11 combats de Vale Tudo. Je possède de nombreux titres, aussi bien en Espagne qu'en Europe et au Brésil. Technique debout. Nous allons maintenant le voir lentement. Premier mouvement, je saisis son poignet. Je mets mon coude, j'entre en mettant ma tête et en tournant son bras. Une fois à l'intérieur, je le saisis par le cou et je serre la clé, amenant mon adversaire au sol. Je mets le coude et je passe mon bras pour lui saisir le cou. Et je serre la clé. Je saisis sa main, je mets mon coude. Et mon bras passe au-dessus de sa tête pour saisir son cou.
Je saisis sa main et il se libérera en utilisant son genou. J'en profiterai alors pour contre-attaquer. Je contrôle avec ma poitrine contre la sienne. Voici une variante de la technique où il se libère avec le genou. Je saisis son bras et il se libère en utilisant son coude. Mais il me tourne le dos. J'en profite alors et je saisis ses jambes pour faire une projection. Je le soulève et je le jette par terre. Maintenant, nous allons entrer aux jambes et faire une clé de pied. J'entre aux jambes, je lève mon rival et je le jette par terre en lui tenant le pied.
Nous allons faire une feinte comme si nous allions saisir ses jambes. Et je vais faire une clé de pied américaine. J'entre aux jambes. Je mets ma jambe, je saisis son autre jambe et je me retourne. Et je serre la clé à la jambe avec une clé américaine. Regardez bien. Nous allons maintenant voir une guillotine inversée. Je suis en train de me battre et je place ma main sur ma jambe. Si nous sommes dans un combat de grappling, de lutte libre, de jiu-jitsu ou de shuto, cette main ici est une ruse pour que mon adversaire entre pour saisir ma jambe. De nouveau, j'ai la main ici, je touche sa tête. Ma main est ici. J'amène ma main à son cou. Je place mon coude sur sa tête et je pousse. Je place ma main ici. J'amène ma main à son cou. Je place ma main ici, je touche sa tête. Ma main est déjà ici et je n'ai plus qu'à l'amener à son cou. Je saisis mes mains et je pousse.
Nous sommes en train de nous battre et il va me faire une prise de cou. Je vais passer ma main au-dessus de ses bras. J'attrape ses bras et je sors ma hanche. Il lui sera impossible de sortir les mains à cause des gants. Et je fais une projection de hanche. Technique au sol. D'ici, j'accroche une jambe de mon adversaire avec mes jambes et l'autre avec ma main et je pousse. Je suis en position de garde au sol. J'accroche sa jambe avec mes jambes pour qu'il ne passe pas ma garde. Il a l'autre jambe en avant. Je me place alors en dessous et je vais pousser cette jambe, provoquant sa chute. J'accompagne sa chute pour me placer sur lui et le contrôler. Il a la jambe en avant. Il essaie de passer ma garde. Je saisis ses mains et je le soulève avec mes jambes. Je vais saisir son pied pour réaliser une clé sur sa jambe. La clé se réalise ici.
Il a la jambe en haut pour commencer à faire un renversement. Je saisis son pied et je le place au-dessus de son genou, en serrant le triangle ici. J'amène en haut l'autre pied et je vais me laisser tomber en arrière pour réaliser la clé. En poussant sur son pied. Il a la jambe en haut. Je descends et je saisis son cou. Je passe sa jambe au-dessus de ma tête et clé à sa jambe. En même temps, je pousse avec mon genou contre son autre jambe. Il a la jambe en haut, je descends et je passe sa jambe par-dessus. Je saisis son épaule.
Je suis ici dans la position de garde. C'est une situation qu'on peut rencontrer dans un combat de MMA. Il m'envoie des coups de poing sans s'arrêter. Ce que je vais faire, c'est sortir avec ma main gauche dans son dos. J'amène mon bras ici et je change la saisie en appuyant ma main gauche au sol. Et je tourne en changeant complètement la situation. Maintenant, c'est moi qui suis au-dessus en train de frapper. Je suis parvenu à le saisir de dos. Je contrôle sa jambe pour qu'il ne puisse pas tourner et se libérer de ma saisie. Je lâche ma saisie pour amener ma main sur son genou et mon autre main saisit son pied. Je passe ma jambe au-dessus de la sienne et je serre ici le triangle en poussant. Je le saisis fortement. Je contrôle sa jambe pour qu'il ne puisse pas tourner. Je saisis son genou et je saisis son pied. Je passe ma jambe au-dessus et je serre la clé en poussant. Je contrôle sa jambe. Je saisis son genou. Il est parvenu à me saisir de dos. Je vais saisir son cou avec mon bras. D'ici, je vais saisir mes mains. Il va lâcher sa saisie pour essayer de se libérer.
mais je vais tourner et réaliser une clé de cou. Je suis parvenu à attraper son bras, mais j'ai beaucoup de mal à me libérer de sa saisie. Ce que je vais faire, c'est sortir en utilisant la hanche et en appuyant la main par terre. Je tourne ma hanche et je mets ma jambe sur son cou. Et je pousse. Je tiens son bras, mais il m'est difficile de me libérer de sa saisie. J'appuie ma main sur son cou et je tourne ma hanche en poussant avec ma jambe sur son cou. Cette clé ne semble pas très puissante, mais elle applique une grande pression sur le cou de l'adversaire. C'est un étranglement du tibia. Je tire sur son bras, mais l'adversaire est très fort. Je ne parviens pas à me séparer de sa saisie. Ça m'est impossible. Je change ma saisie, j'appuie ma main par terre, je sors la hanche et je pousse sur son cou. J'amène ma hanche vers l'avant.
Nous allons maintenant voir un triangle de main dans ma garde. C'est une technique très efficace avec laquelle nous obtenons la reddition de nombreux adversaires. Je suis en train de passer la garde. Il met sa main sur ma taille pour me pousser. Il me pousse et je vais saisir sa main. J'écarte sa main et j'amène mon autre main sur son cou, par ici, en bas. Et d'ici, je referme le triangle. Nous sommes ici. Je suis en train d'essayer de passer la garde. Une garde serrée. Il me pousse par la taille et je vais saisir sa main. Je la tords vers le bas. J'entre avec mon autre main, bien en bas. J'attrape son cou et je pousse. Je suis ici dans ma garde. Il essaie de sortir en me poussant. Je saisis sa main. Je tourne sa main vers le bas et j'amène ma main à son cou pour le saisir. Je saisis et je serre. Il est très important que nous abaissions les hanches pour appliquer plus de pression. Triangle de main. Quand tu baisses la hanche, je ne peux plus bouger le bras. Quand je descends ma hanche, j'immobilise son bras. Il ne peut même plus frapper le tatami pour se rendre. Il se trouve sur moi. C'est la position des 100 kilos. Pour qu'il ne puisse pas sortir, je vais contrôler avec cette main ici et mon autre main va par-dessous pour pouvoir bien réaliser la guillotine. Je suis ici, j'attrape son bras, mon autre main est ici. Je vais sortir avec ma hanche et amener ma main à son cou. Je tourne. Je serre la saisie, main avec main. Et je me jette en arrière. La saisie des mains se fait comme ça.
C'est la saisie qui pousse le plus vite l'adversaire à se rendre. Avec cette saisie, il me sera plus difficile d'obtenir sa reddition. La saisie est celle-ci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ce travail. Certaines des techniques ont été élaborées par moi. Avant de réaliser les techniques que nous avons vues, vous devez être très bien entraîné. Avoir une préparation aussi bien physique que technique. La préparation est très importante avant d'affronter un combat. Bien sûr, vous devez toujours travailler sous la supervision d'un instructeur qualifié. C'est le plus important de tout, un maître qui nous supervise et nous prépare pour réaliser les techniques. Ne cessez jamais de vous entraîner. C'est mon conseil. We'll be right back.